Nous allons préparer aujourd'hui une cuisine wok avec un sauté de bœuf aux légumes et nouilles japonaises. Épluchez d'abord l'ensemble des carottes. Épluchez également les oignons nouveaux en coupant la fane et en retirant la première peau. Épluchez également la racine de gingembre à l'aide d'un couteau. Épluchez les champignons de Paris. Plus besoin de les laver, les champignons resteront bien blancs. Émincez en fines lamelles les carottes, les oignons nouveaux, les champignons. Râpez finement la racine de gingembre. J'effeuille la coriandre fraîche. Conservez quelques feuilles de coriandre pour la décoration, pour la fin du plat. Pour le reste, le concassez finement. Coupez la viande en gros cubes. Dans une grande casserole d'eau bouillante salée, faire cuire les nouilles pendant 3 à 4 minutes. Puis les égoutter et les faire refroidir sous un filet d'eau froide pour stopper la cuisson. Dans un wok bien chaud avec un filet d'huile d'olive, faire rôtir la viande à feu très fort pendant 2 à 3 minutes sur toutes ses faces. La viande est colorée sur toutes ses faces, je la retire dans une plaque pour stopper la cuisson. Puis dans le même wok chaud, je vais commencer à cuire les oignons nouveaux. Dans un wok chaud ou un grand récipient, faire sauter les oignons nouveaux avec une pincée de sel. Ajouter les carottes ainsi qu'un petit peu d'eau et couvrir. Laissez cuire à 3 à 4 minutes à feu fort. Pendant la cuisson de nos oignons et de nos carottes, je vais parsemer l'ensemble de la viande de coriandre fraîche, de gingembre râpé, de sel et de poivre. Ajoutez ensuite les champignons de Paris dans le wok, les faire sauter, puis mettez-y les nouilles. Arrosez de sauce soja, de sauce chili, attention c'est très très fort, mélangez et ajoutez la viande. Laissez finir de cuire la viande pendant 2 à 3 minutes. Dressez dans une assiette creuse un lit de nouilles, puis décorez avec les légumes et les morceaux de bœuf. Et parsemez pour terminer votre plat de quelques pluches de coriandre fraîche. Voici donc les nouilles au bœuf sauté, parfum d'Asie et gingembre râpé.